Et on va voir. c'est Alors, c'est parti. parti. Alors, petit point sur les modes en speed. Oula, c'est un hélio feu, mais un hélio feu sans rester. On a nos Nozomodas qui joue sur un mode feu assez classique. Sans rester également. Le Roublard qui joue sur un mode air, visiblement. On va voir un petit peu ce que ça donne. Je suis assez curieux de ce mode. On joue en 11 PA, 5 PM sur le Roublard. En face, on se retrouve avec un Salida qui joue sur un mode haut. Le fameux mode Malé Vaudou. L'Eniripsa qui joue sur un mode au Red PA. Et le Zobal qui joue sur un mode air. Probablement Red PA également, assez tanky. Il y a Salida qui a mis un arbre de manière assez étrange au T1. L'état infecté qui va être placé du coup sur Ibrax et le retrait PM. Hein. On rappelle que le retrait. Ah non! Je viens de voir, il a 142 d'esquive quand même. 142 d'esquive PM Ibrax. Et du coup, on va infecter le Roublard. Le Roublard au fond de la map grâce à ce Tréant. L'Eniripsa du côté de Shun qui se. Avec les lunettes de soleil, l'Eniripsa, il a un flow monstrueux. L'Eniripsa du coup qui se prend le petit boost de mobilité 3 PM. Et Ibrax qui va venir booster son Roublard. Plus de PA, focus. Ça dit oh, si Lilio perd 1 PM, je me fous en l'air. Alors fais gaffe Net 4 parce qu'il y a quand même 10% de base de retirer 1 PM. Hein, donc dans tous les cas. Hein. Peu importe l'esquive et le retrait, 10% au minimum. Hein, donc. Est-ce qu'on met directement le plastron? On n'a pas grand chose d'autre à faire ce tour-ci. Non, oui, non, on dirait pas. On dirait pas, on dirait pas. Ok, on redonne de la mobilité encore à cet Eniripsa qui se retrouve du coup en mode 11-12. Très 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 mobile cet Eni. C'est marrant parce qu'il a pas de rempart pris. Hein. Ok, on se place en zone. C'est une zone de quoi ça? On a mis le masque ici. Il y a une raison. Il y a probablement une raison. Ah, on a reperdu ce qu'il joue, je crois. Il s'est refait Désolé, attaquer nouvelle par les bots. vague. Allez hop. Brise, mais bon. Bon, de toute façon, c'était le tour kaboom du Roublard, donc il n'y avait pas grand-chose à voir. Alors, le Lapinot. Derrière le Galva. Alors, Lawson qui demande, il est quoi le Roublard? Skizio, t'as eu le temps de regarder Il est R. le Rouble? R. Okay. C'est pour ça d'ailleurs qu'il a posé une tournabombe, je pense. Ça doit jouer. Ah, ok, la grimace, ok, elle bloque la ligne pour le Rouble Moto. Ok, c'est parce que c'est vrai qu'il y a une grande ligne là. Donc, c'est vrai que c'est pas. Ouais, c'est le Merci, roublard R Nectar. distance assez classique. Il me faut un taf plutôt pas mal. Il place de l'héros avec ses dagues, c'est ça, non? Il y a un truc comme ça? D'ailleurs, à noter, il joue avec les résilientes. Et c'est peut-être justement pour éviter ce que le one shot des bombes avec le Zobal. Hein. Ouais, mais alors, En oui, cas non, mais c'est ou en cas de intéressant pour dopo. le coup parce que pour le coup, ouais, totalement mielleux, ouais, effectivement. Avec les 120 récrites et les 35 répoux qui viennent du double Valet Vénard. Mais après, ouais, effectivement, on est quand même sur un mode de jeu quand même un peu défensif, mine de rien. Par contre, effectivement, Roublard 19 PA. Je suis assez curieux de savoir comment il va réussir à faire son là, pour le coup, parce qu'il n'y a qu'une seule bombe. Certes, il peut poser une bombe ambulante, mais. Pas non plus pouvoir faire un combo de ouf et ça lui nécessite de poser bombe ambulante et roublabot. Faire Attends, attention quand attends, même à parce ça. que. Attends, parce que. Attends, attends, parce que t'as Ibrax qui joue avant, hein. Il va ramener quelqu'un. Ça Hein. change Il y a pas une trappe qui ça va lui change pas le combo ramener. du mur. Ok, ben bah, il va peut-être moins ramener vu que le portail est bloqué, mais. Alors ça c'était très Il va intelligent de pas. la part de Sledax d'ailleurs. Hein. De Il va pas ce petit jouer one tremblement. shot. Ah bah là en plus Non, de mais de ça toute on façon, là, je infecte pense tout le pas. monde. Je pense pas qu'il puisse one shot de toute façon un. Des persos qui ont 4400 PV plus une pre-tech. Je pense pas qu'il one shot, hein, on est au T2. Hein. Il n'y a pas de bombe, il n'y a pas de combo sur les bombes. C'est compliqué, hein, donc. Mais il peut quand même perdre des dégâts, hein, mettre un peu d'héros et tout. Très intéressant, on va voir. Alors voilà, Ibrax qui libère son portail. Est-ce qu'on n'amènerait pas le Sadi, du coup il vient de jouer. Bon, il a 40% R, mais. Ligny à 29. Ah, le Zobal à 21%. Ça serait tellement bien. Ok, c'est Lenny. C'est Lenny, c'est Lenny qui se fait ramener. 29%, c'est Eniripsa. Tiens, et qu'est-ce qu'on disait? Les Ennis qui se font jamais bisous?
qui sont jamais tapés? Si one turn, je finis tout nu. Non, 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 non. Non, non, non. 19 PA. Attends, attends. Est-ce qu'il y a un monde où avec 19 PA, tu peux one shot un ennemi avec pense qu'il va. 4700 PV? C'est pas son habitude 700. dans tous les cas. Je pense pas qu'il puisse. Hein. Et de toute façon, l'ennemi peut pas retourner dans son camp là. Hein. Ah, quoique, il a 13 PM quand même. Ok, du côté. Du côté de Garou, on se dit, attends, je vais peut-être aller l'aider là. Ok, on va clean la bombe. On va clean la bombe, ok. Et on a passé tout son tour à clean la bombe. Hein. Et on s'est mis en zone. Après, ah non, c'est vrai qu'il joue pas tremblant, donc. Il était déjà dans les zones tremblantes, de toute façon. Alors, le roublard. Et première bombe. Et Dagmran, Et la quoi, prendre zone. la zone directement, elle est Ouh. gratos. Ça fait des bons dégâts. On a directement Zobal et Eniripsa sous 26% d'héros. Ok, la déto, la cadence. Je suis assez curieux de ce mode. Parce C'est que des du bons coup, dégâts. effectivement, ça a été assez. Non, Comment mais dire? écoute. Non, mais c'est pas mal, hein, parce que du coup, il met pas des dégâts, mais il met les roses. Enfin, il met pas des dégâts, il fait pas un one shot, pardon. Mais par contre, derrière, il met de l'héros. Ouh, l'esquive pack, il passe bien sur Roubla. Ok, non, je retire ce que j'ai dit. Je retire ce que j'ai dit. 90 esquives, moins 3 fracassants, tout va bien. Ouais, mais moins 1 au silence, donc ça s'équilibre. Oui, non, non, Ça c'était s'équilibre. c'est la mauvaise foi habituelle sur le retrait, je pense. Tu connais mon appréciation de la formule de retrait. Côté Ozymandias, bah on a 0 invocation sur le terrain, on a que 9 PA. Là, on va devoir essayer de reposer un petit dragonnet. Est-ce qu'on n'a pas moyen de claquer une petite piqûre pour profiter de l'érosion? Voilà. C'est visiblement l'Enirepsa qui risque de prendre. Le petit informo qui va aller simplement tacler ce Sanida. Voilà, magnifique. Hop, Stratosphérique qui est toujours aussi agréable à voir en Ozymandias, hein, d'ailleurs, aucun problème. On vient prendre la zone érosion. On va essayer de grappiller tout ça. Je suis assez curieux de se poker sur le Zobal alors que l'Enirepsa était déjà plus low life. Ça se fait, ça se fait. Ok, la malédiction vaudou qui est placée. Et derrière, on profite pour venir faire les dégâts. Après, ça passe sur les prix tech, hein, donc c'est pas foufou. Ouais, tu vois, c'est encore une fois de plus une team no héros. Ouais. Et le Ibrax qui a l'intégralité de ses portails qui sont bloqués. Ouais, Il y en a un, c'est par lui. effectivement. Il y en a un, c'est par lui, donc. Emoji clown, emoji cord. Voilà, effectivement, Salut trop toi, bien défi. Cyril, les 49. Ok, on va Ok, libérer il un s'est libéré son portail. On portail. va pouvoir taper le Salida, le renvoyer à Babelwed. Je sais pas trop ce qu'il peut faire là. Deuxième portail. Il va le ramener, non? Non, peut-être pas. On va voir. Et la Je sens contraction pour que. Agumon. Oui, voilà, Thérapie. il le ramène juste thérapie. Il le ramène au fond de la map, tout au fond. Et là, on a deux persos érodés en bas qui se En font fait, victimiser leur PV max. ouais, tout l'intérêt ici c'est d'empêcher le Salida de pouvoir réussir à maller Vaudou, le Roublard ou le Zamodas pour éviter de trop rentabiliser le retrait PA, que ce soit sur le Zobal ou sur l'Enirepsa. Par contre, ouais, la bombe, les bombes ont toujours 0%, donc elle Oui, coûte cher quoi. mais le Zobal il passe ses tours à clean des bombes. Hein. Ah bah C'est pas. oui, mais le problème c'est qu'on n'est pas sur un roublard qui peut poser deux bombes par tour. Ah non, mais en Et... fait, il place la bombe. Ah, mais par rapport à un roublard à retrait PA, il place sa bombe, ça retire 15 PA au Zobal parce qu'il doit tuer la bombe. Et derrière, il fait juste son tour normal, tu vois. Donc pour moi, C'est c'est vrai. rentable. Pour moi, C'est c'est vrai, c'est vrai, c'est clairement vrai. rentable. Alors, il a toujours la zone d'Agboomerang s'il veut. Hein. Il a juste à se décaler de deux cases. Et il peut le faire encore une fois sur Zobal et Niripsa. On a toujours un masque grimaçant qui est toujours présent. D'ailleurs, le libérer, enfin le tuer permettrait de libérer le portail. Ce qui serait pas spécialement une mauvaise chose, je pense. Allez hop, double Et voilà. Dagboomerang. Ça tape, hein, mine de rien, faut pas Voilà. le négliger. Hein. Mais non, c'est ça, il fait des bons dégâts, plus ça met de l'héros. Franchement, et ça bloque l'ennemi. Non, ça bloque. Il peut passer à gauche. C'est bon. Alors, Shun qui s'est fait un peu manger ses PV max. 3700 PV max, 3800 sur le Zobal. Et de l'autre côté, il n'y a pas Allez, d'héros, hein, donc. la piraguette. On passe pas sous le seuil, hein, de la piqûre normalement. Enfin, Non, c'est bon, là 424. c'est bon. Là, c'est bon.
Ça y est. Est-ce qu'on essaie pas de remettre un autre ébène sur le roublard? Il peut juste flamish la bombe. Ouais, un ébène sur le roublard serait pas déconnant. Bah voilà. Voilà. Il a Et après, déjà il un va s'en ébène du prendre au vent. Zobal. Voilà, deuxième ébène. Le retrait qui passe encore à 3. Et ça vient Non, mais rebloquer ce on dira portail. rien. On Parce que dira rien là, sur le Pinot qui retrait, vient c'est une très bonne rebloquer le formule. portail, encore une fois. Alors, Loza qui fait ses petits trucs d'Oza. Petit corbeau, il balance des dragos charges. Après qu'il a plus de jeu du tout. Hein, ce... Le retrait, c'est du scam. Non, non, c'est une mécanique très très fun. Bien pensée dans un jeu stratégique. Ok, bon, le petit debuff qui est tombé. Alors, à côté de ça, on a un Ninirupsa qui bloque un petit peu le portail, qui s'est rapproché de son Sadida. Sadida qui a encore des gens. Non, qui n'a plus personne d'infecté hein, depuis que le Non, roublard cap. s'est fait debuff. Il y a eu le debuff, ouais, donc le Sally, il est un peu triste au fond. Il a le Après, il a level Helio. sacrifié. Pas vraiment Tréant pour aller chercher quelqu'un là. Ok, la surpuissante pour prendre la zone. L'arbre. Ah si, ça a quand même posé Tréant pour choper la bombe et le dragonnet rouge toujours. C'est pas après la bombe si elle se fait clean par le Zobal, encore une fois. Ça a rien de l'infecter. Mais bon, il y a le dragonnet dans la zone, donc c'est pas mal. Alors, la surpuissante qui enlève. Non, 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 non. Imrax qui. Il a bien fait de mettre 138 d'esquive. Attends, mais il a des malus du coup. Ouais, il a des malus. Il avait 141. Ouais, 142. Ok, alors, pas de tacle évidemment du Lapino, on a que 5 PM sur Ubrex quand même. La petite brimade, on a toujours le portail duo qui est libéré, hein, qui est le plus important pour Eh bien, cette il va les équipe taper. d'horizon. Il peut taper ou pas? On l'a pas vu taper encore, je crois. Non, ok, il va juste bisu Lenny. Pourquoi le bisu aussi loin? Ils ont décidé de faire un focus sur le Zobal? Bah écoute, c'est vrai qu'il y a la double héros, donc ils peuvent focus le Zoal. Hein. C'est pas très très rare. Hein. Ou le moins 8. Le moins 8 là qui a fait très très mal. Hein. Franchement, je pense Ah qu'il bah il s'en fait toute remettra la pas. différence hein. Ah bah sur 4880 PV. C'est vrai que Garou Ah oui, avec son c'est Zobal la il est pas diff. non plus voilà il s'est fait grignoter, il a 3600 HP max, 3400 Il s'est HP, pris mais bon, voilà. deux full tours de Dag Boomerang. Par le Et fait il qu'il a arrête de 11 tuer les bombes PM. cette fois-ci. Il arrête de tuer les bombes. Il va full taper Ibrax et Helio. Le Est-ce qu'on problème, peut c'est que parler tu tapes un Helio du fait que le 45%. Zobal il a commencé son tour ici? Oui, non, mais. 8 PV, c'est presque un PV d'héros, c'est chaud. Je sais pas si jamais tu prends un dégât, est-ce que ça t'érode quand même un PV? Je sais pas s'il y a un minimum d'érosion ou si vraiment tu te prends 0. Ok, bon, ça clean l'a sacrifié histoire de pas se faire tuer. On met la rémission sur la tornabombe. Et du coup, on commence à stacker les bombes. Bah écoute, c'est vrai que Ibrax va pouvoir amener quelqu'un, il y a toujours un portail de ce côté-là. 45%, il a pris moins 900, ça va. Non, non, ça va, hein, mais. Mais bon, il n'y a pas d'héros, hein, donc Ibrax, il se prend des dégâts, mais vu qu'il a 4800 PV, si jamais tu le tombes pas et que derrière il retourne dans son camp, se fait soigner un peu, bah ça n'a pas servi à grand-chose, quoi. Fracassant, le fracassant. Ah, mais Ibrax, qui a tout esquivé ce soir, hein, les PM, les PA. Il se prend zéro retrait. Hein. Le retrait, ça passe pas par lui. Ça le force. Alors, le Lapino qui soigne Zobal, par contre, le Zobal est full vie. Hein. C'est juste fait héros. Alors, l'Ozawada, c'est ce qu'il peut pas juste attendre que qu'Ibrax ramène quelqu'un. Tranquille, il replace son jeu dans son camp. Met des invos. Voilà, petit dragonnet mélanique. Pour taper l'arbre. Placer son jeu tranquillou. Ah, il y avait une gonflable, je l'ai pas vu. Hein. Alors, pourquoi ça ramène le dragon? Ah, ok, non, c'est ok. Non, ça tape pas l'arme, ça tape directement le Zobal, c'est bien vu. Ok, non, le dragon rouge, c'est juste pour soigner les lieux. Ok, c'est pas pour des buffs, c'est juste pour le soin.
Alors, le Sadida, je pense qu'il n'y a que l'Hélio d'infecté. Enfin, il a l'Hélio, la bombe et le dragonnet, mais ok. Donc, il y aura infect, pardon, l'Oza. Et on a encore 8 PA si on veut taper un petit peu Ibrax. Et le Tréant, il va pouvoir infecter le dragonnet mélanique. Alors, la surpuissance ne marche pas. Le retrait qui est quand même un peu cassé. Hein. Un peu cassé dans ce match. Une équipe d'Espoo qui a du mal à faire passer son retrait, que ce soit PM ou PA. Bon, les nids, quand même, ça passe un peu mieux. Hein, mais ça dit pas du tout. Alors, l'Hélio qui va devoir libérer son portail, voilà, c'est fait. Est-ce qu'on ramène les nids ou le Zobal maintenant? Maintenant qu'ils sont passés sur le Zobal. Bah, le Zobal Remarque serait les nids. pas Hein. une mauvaise chose. Le problème, c'est que le Zobal, il joue entre-temps, donc il peut s'en aller. Oh, regarde les bombes là. Regarde les bombes là, tu les vois? Tu vois, ils vont passer qu'une par tour. Bah, tu vas voir. Ça suffit, hein. Ça Ouais, suffit, Pomme. ouais. J'ai un peu Pas hype sceptique, là? hein. On voit un roublard pas haut là. Un peu de hype là. Pour Ouais, une fois que non, c'est pas un mais roublard en haut. fait, ouais, mais le problème, c'est que genre, il aurait été terre-air, j'aurais été hype. Full air, les seules fois où on a vu du full air, bah c'est ça s'est avéré être un pétard mouillé. Donc bah désolé, mais pour le moment le roublard haut, pour moi il fait plus d'effet. Hein, donc mais là tu vois le Zobal, voilà, il va rush, il va réussir à poser ses PB. Il a traversé la map depuis tout à l'heure, ou alors il va essayer de venir kill la bombe. Non, ça va être les PB ou les dégâts qui vont être posés sur le roublard. Allez hop, directement, on vient en Mais plus de ça c'est s'attaque le son tour. roublard. Mais son tour entier, il a fait une cavalcade et une flamiche. C'est Ben tout. oui, mais ça déloque Il s'est tous les remis en Lotus. zone. Il s'est remis en zone Tag Oui, sauf que le roublard, il est taclé cette fois. Pas tout à l'heure avec les Nerixa. Et il est taclé. C'est Donc, un roublard. Il n'est jamais taclé. ouais, mais c'est chiant à placer, c'est chiant à booster, etc. Là, tu vois, il doit reposer ses Dag Boomerang, il lui reste 2 PA, tu vois. En fait, il a fait un mur. Alors, c'est cool, ça fait des dégâts, je dis pas le contraire, mais je sais pas. C'est ça, pour le moment, ça me. Voilà. Ça m'émoustille un peu plus que ça. Ceci dit, un point qui est intéressant à noter, l'Enyrepta peut pas vraiment ici sortir du mur sans reprendre des dégâts. Étant donné que c'est sur l'érosion, ça reste quand même intéressant. C'est pas non plus négligeable. Hein, Il peut là, je suis juste pas sortir du méga hype mur. pour ça. C'est juste qu'il vient là, quoi. Et il Hop, peut tuer la la petite bombe, frémission 38 qui PV, arrive. c'est bon. Il a mis 2000 à l'aîné avec l'héros, quoi. Mais c'est ça, je suis totalement vendu, convaincu par ce blanc, là. Infinities, là, je suis totalement. Je valide. Je valide Mais totalement. en fait, moi, enfin, ce que je disais, c'est tout le setup qu'il faut pour arriver jusque-là, quoi. Enfin, il a fallu rebalancer les persos à l'autre bout, le Zobal qui a dû faire des allers-retours, etc. Alors, ça met une pression de folle, de fou, hein, mais à côté de ça, voilà, l'Enyrepta, c'est des buffs, donc ça veut dire que l'érosion, il va le perdre autour du roublard. Là, il faut vraiment que le Zamodas arrive à sauter sur l'Enyrepta. Il n'a pas de relance de piqûre, donc il ne pourra pas en profiter efficacement. Il est sur le portail de l'Hélio, donc l'Hélio ne pourra pas en profiter efficacement non plus. Est-ce que l'Hélio pourra réussir à virer ce Salida pour l'empêcher de reposer sa Malévaudou ou tout simplement des dégâts et essayer de limiter au maximum son champ d'action? Bah, j'espère. En attendant, on a un Zobal qui est dans la mêlée, qui claque des dégâts depuis tout à l'heure. Qui veut bien l'entendre, et vu les dégâts qu'il a collés sur l'Hélio tout à l'heure, si le Zobal décide de passer sur le roublard, il passe un sale quart d'heure aussi. Donc, excuse-moi de pas être hype sur des dégâts d'un roublard qui a mis genre 3 tours avant d'arriver à ça. Alors que le Zobal, il fait ça naturellement dès qu'il a les PA, quoi. C'est ça qui me. Voilà. Mais les nids est presque mort. Hein, Ah, mais je dis pas. Mais d'un autre côté, c'est un ennemi. Et il est avec un Zobal. Là, il y a la relance Ouais. plastron, par exemple. Mais s'il met le plastron, il fait pas un foutour sur le roublard, justement. Non, Il mais peut même pas tout rien que faire. Hein. ça. Rien que ça, déjà, le si peu qu'il va mettre sur le roublard, ça va être des dégâts qui vont pas être gratos non plus. Donc. Allez hop, le Sadik qui va pouvoir s'avancer tranquillement. Allez hop, on clean le dragonnet rouge, on clean le dragonnet mélanique. On a encore un albinos qui va permettre de soigner un petit peu ce roublard. Mais à côté de ça, on a un Salida qui est remonté full life. Un Ozymandias qui s'est fait clean son jeu. Un roublard à qui il ne reste plus qu'une bombe. Une folle Ah, en plus de le ça. retrait Ah, PA qui le passe retrait PA passe enfin, pas. moins 1. Moins 1 sur l'Oza. Ah non, mais ceci dit, je pense qu'il est maudit, tu vois. Sledak, je sais pas ce qu'il a fait au retrait, mais. Ou alors il a vraiment, vraiment pas beaucoup de retrait. Mais même dans ce cas-là, 10%, ça, vu le nombre de PM qu'il a essayé de retirer depuis le début, 10% devrait y avoir au moins 1 qui passe, quoi. Ok, le Zobal qui va se refaire bisu. Donc, hein, voilà. Double thérapie. Alors. A plus, amuse-toi bien au fond de la map.
Là, ça va être intéressant. Devant une carte Marzobal qui spéciale. va devoir repasser en pleutre probablement pour réussir à double débandade, claquer. Là, par contre, il y a besoin de la tantôt sur l'ennemi parce qu'effectivement, ça meurt. Il a 12 PA, 7 PM ce Zobal. Et masque Kawott. Ok, mais du coup, il... Ok, c'est juste pour bloquer les deux portails et il avance parce qu'il n'a rien pu faire. Ok. Du coup, derrière Même le pas roublard, il y a de une bombe à torpo. Bah 5. là pour le coup, ouais voilà, ça balance les wellplay. Là clairement Joue pas l'ennemi aussi est mort. armadure. Si, si, joue armadure en Si, plus. joue armadure justement. Au début. Infaisable. On peut pas mettre une bombe, non? On a même pas vu. Ok, eh ben, il n'y a même pas besoin d'explosion. Oh, le double kill, c'est pas mal. Triple kill, pardon. Triple kill de la part du Roublard. Très, très, très beau jeu. Hop, là, je vais vous afficher les stats. Et du coup, c'est une victoire de cette équipe d'Horizon.